Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur War Tales. On est toujours dans le comté d'Arthès et la compagnie. Les ailes du renouveau est enfin au complet grâce à la présence de notre dernier rôdeur, Hector. Dans l'épisode du jour, eh bien, on va chasser du déserteur et on va explorer notamment cette partie-là. Et cette partie-là, on va aller faire un petit tour au hameau de Boès également pour voir si on peut terminer cette quête. Et on aimerait bien rencontrer, parce qu'on a rencontré le comte Laerte, mais on n'a pas rencontré son opposant qui est pour l'instant à nos faveurs. Hein, puisqu'on a, on a aidé l'abbé Théocène à nourrir les soldats de Vernalis et on a empêché le sabotage, du dernier puits du seigneur Vernalis. Donc j'aimerais bien rencontrer ce seigneur Vernalis. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Ceci étant dit, on est reparti. Ok, donc là, c'était un groupe de Vernalis contre un groupe de l'AR. C'est pas franchement là qu'on voulait aller. Les déserteurs, ils sont où? Ils sont plus de l'autre côté, les déserteurs. Oh, la milice qui est là. On les a pas vus? Attendez, c'est quoi ce délire? Maintenant, ce serait vraiment ici, hein. Sauf que c'est un groupe de déserteurs qu'on cherche. Ils sont là. Ok, ils sont là, les déserteurs. I never believed in this chosen by Jeru fable. Vernalis is just power hungry like his mother. Exécuter les déserteurs pour la Légion. Allons-y. Ils sont niveau 5, il y a 3 pillards de soudards, 2 artificiers, ça c'est pas bon. Il va falloir qu'on s'en occupe rapidement des artificiers. Artificier qui sera le premier à jouer. Soudard. Et artificier ici. Ok. Voilà, Théodore comme ça. Armand, Hector, oui, on soutient. Venir là. Antares, c'est très bien, tu vas venir comme ça. Ah, il manque un tireur là. Ici. Ok, donc le premier ce sera toi, et ensuite toi, et ensuite toi, d'accord. Donc ce que je veux, c'est m'occuper de toi d'abord. Oh, ça c'est très très bien joué. Et ici. Trop court, trop court, trop court. Pas trop court malheureusement. Cher. Ouais, je veux pas que tu joues. Donc on va y envoyer toi.
C'est bien joué. Et tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Comme ça, c'est très bien. Là, les deux, ils prennent. Ici, on va pouvoir essayer de faire un peu la même chose. Ok. Là, t'es aggro. On peut encaisser, il n'y a pas de souci ici. Ok, il a déjà perdu toute son armure. Très bien. Ouais, je pensais pas que t'allais faire ça. Tu cibles, c'est pas grave. Ça me dérange pas, à vrai dire. Voilà, un petit coup de brutalité. Et on récupère un point. Très joli. Le ciblage, ce sera pas un problème non plus. Oh, sérieusement. Oh, dommage. Ah, mais ça cible. Bon, bah ça me dérange pas outre mesure. On va s'occuper de lui ici. Pourquoi pas. On va peut-être plutôt venir par ici. Je vais l'achever. Très joli. Aïe. Par contre, oui, tu vas venir là. Voilà, parfait. Trop joli. Il ne reste pas grand chose, il reste 2 PV. Par contre, ce qu'on va vouloir faire, voilà. Meurs. Magnifique. Je veux que tu viennes ici. Très beau. Ok, donc lui, on va pouvoir l'achever ensuite. J'aimerais bien que tu passes ton taf là. Magnifique. Ça c'est achevé. Tu vas venir ici. Et on va récupérer 3 points. Antares. Tu l'achèves.
Et ici, Armand. Tu m'achèves le dernier artificier. Un très joli combat. On répare pour 5. Arc de fuyard avec une flèche incendiaire. Une rondage de caporal. On va continuer. Qui a une rondage de caporal déjà? Targe de la fraternité. Rondage de caporal niveau 4. Et celle-ci est niveau 5. On gagne encore 3 d'armure. Très bien. Et en arc, je crois qu'on n'a pas mieux. Hein. Non, de la 14. Ok. On va venir récupérer le bois qu'il y a là. On va longer. On nous demande déjà de nous reposer. C'est un peu beaucoup, je trouve. Hein. On va quand même s'installer. Faut verser les salaires. On va se faire un petit peu de charbon. Il y a 48, c'est trop. Là, on n'est pas bon. Hein. Et là, on est bon. On est célèbre. Parfait. Encore un point. Est-ce qu'on a payé? Patron. Effectivement, il va pouvoir se remettre en route. Ou pas. J'aimerais... non, on n'a pas mis encore de points. On va encore attendre un peu avant de mettre des points. On partait du minerai. Il faut la ramasser, messieurs. Voilà, 2, c'est toujours ça de prix. Il y a de la consoude pour faire de l'expérience avec des remèdes. Pourquoi pas. Et le pont instable, il n'est pas fini. Non. Mince alors. C'est pas tip top ce qu'on fait là. On va aller au hameau. Puis on va refaire tout le tour. C'est vraiment de la perte de temps, mais bon. Tant que le pont instable n'est pas reconstruit, on n'a pas le choix en fait. Soldiers took quite a beating. They... Allez, 3 de 20. Pour les avoir aidés. Et on va revenir à Cortia. On va essayer de trouver des contrats. Et puis on achètera un petit peu de quoi manger également.
Oh, un point de pêche, je l'avais pas vu. Donc on va l'utiliser tout de suite. On est férus de pêche. Et surtout, ça nous donnera de quoi. Voilà, fiole et brochet. De quoi faire un peu de cuisine. Et un brochet, un tissu. Et une perche. Parfait. On est redescendu sous les 4000. Ça serait bien qu'on récupère pas mal d'argent. Ouais, ici, là. Il faudrait qu'on explore. Et tout là également. Ok. On sait ce qu'on veut faire. Et on va voir si on peut récupérer quelques contrats au passage. À Cortia. Alors, on va commencer par ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a ici? L'informatrice. Unfortunately, I have nothing further to tell you. Ok, t'as rien à nous donner, donc c'est l'heure qu'on a pris tout ce qu'il fallait. Might you be looking for work? Our role as emissaries is to. T'as quoi? L'escouade est demandé les chasseurs de fantômes. Le fantôme d'Arag. Raisonner ces idiots avant qu'ils ne meurent. En fait, je trouve pas ça tip top tout ce qu'on a là. Je vais accepter l'offre comme ça, en l'état. On va se reposer. Look how empty this room is. Before the war, there were two taverns in Cortia, and we were still completely full on market days. On va acheter ça. On va aller voir le forgeron d'abord. Voilà, ici. There were two of us working here until Count Lahart enlisted my cousin. Ça coûte un peu moins cher, mais c'est pas suffisant. Ah, j'ai besoin d'une serpe fantôme. Ok, on va se contenter de ça. Il manque vraiment beaucoup de minerais de fer. On va te vendre un peu certaines choses. There were two of us working here until Count Lahart enlisted my cousin in his army. I haven't heard from Clay since. Lâche incendiaire, on va peut-être se le garder sous le coude. Je peux te le vendre. Garde de paysan, je te vends aussi. Arc de la Légion. Vendu, ça c'est vendu également. Et je te vends ça. Ok. Du coup, Hector, t'as hérité d'une nouvelle arme. Petite serpe fantôme, voilà. Tu commences à être un petit peu équipé. On a une recette à apprendre. Usually, I'm only allowed to tend to the animals, but don't let that worry you. Man and beast are not that different.
Bah, ça coûte un petit peu cher tout ce que t'as à toi ici, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait te faire? Bombette à main. Applique saignement. Petite explosion. C'est plus ça qui nous intéresserait. Il nous faut de l'eau de vie pour ça. L'issue pourrait être utile. Givre acier, tu peux pas parce que t'as pas le niveau. Fais-moi. Ouais, tu peux même tous me les faire. Non, on va juste en faire 8. Ok, t'es passé apprenti. Parfait. Du coup, comme t'es apprenti, maintenant, il y a des choses supplémentaires que tu peux faire. De santé, toutes les cibles, saignement, 20 de santé max. Ça, je peux toujours pas. Ça, j'ai jamais fait. Je pourrais les revendre derrière. Envie d'utiliser la poudre d'Alésar. On va regarder où il en est. Donc c'est Hector. 32 sur 80. Usually, I'm only allowed to tend to the animals, but don't let that worry you. Man and beast are not that different. On va essayer de faire de vendre quelques remèdes derrière. Ok, on est passé en confirmé. Donc du coup maintenant, on peut tout faire. Givre acier, c'est parfait. Usually, I'm only allowed to tend to the animals, but don't let that worry you. Man and beast are not that different. Bon, on va garder tout ce qu'on a. En revanche, la forge, c'est fait. Le marché, on va se reposer également. Là, on a fait quelques petites choses. Alchimiste. Très bien. Look how empty this room is. Before the war, there were two taverns in Cortia, and we were still completely full. Et comme ça, derrière, on va pouvoir se remettre en route. On va partir. C'est intéressant. Je veux quand même... visiter. Enfin, visiter, explorer plutôt. Alors déjà ici, on connaît pas. Donc on va partir explorer ce coin-là. Hop, on va ramasser du bois.
Il y a un hameau. Il y a du minerai, on va aller chercher le minerai. Donc il n'y en avait pas beaucoup. Le hameau. Ok, il s'est passé des trucs ici. Il y a des pestiférés, non? Pas du tout. C'est une femme d'un certain âge, son épaule a été soigneusement découpée, mais elle semble morte de faim. Cet homme est âgé, il lui manque de la chair au niveau des cuisses. Oh, des cannibales, c'est pas possible ça. Be careful, mercenaries. A plague-ridden man is at large in the area. Look at what he has done to his own parents. I'm gathering volunteers as we speak to track him down and finish him off. If you find him before we do, don't spare him. The village. D'accord. This wretched lout tried to hide his condition. We never noticed. He could have been contaminated weeks ago. To think of all those who were put at risk. Bon bah, c'est ce qu'il nous reste à faire pour lui. Les chasseurs de fantômes. On pourrait monter par là. Hein. Ouais, on va suivre. Ok, là, il y a des choses à récupérer. C'était quoi? Encore du bois. Ça, ce sera un lieu à délivrer. La tour du brûlant. Pas dans ce sens-là que je serais allé, mais bon. On va passer là. Non, on doit être arrivé au bout de la map. Ok, très bien. Bon, on va explorer le reste. Hein. Là, il y a de la consoude qu'on va aller prendre. Ça, c'est des brigands. Ah, il y a quelque chose en dessous. Quand misérable. To the south when we saw it. Et vous avez vu quoi? The black steed. It was there, just outside our fishery door. If you want to live, avoid the riverbank at all cost. Il est avec nous, cheval noir maintenant. When my sister was at sea, I used to stay here and weave wool. But with this horse causing all sorts of mayhem, I'm too scared to go out and get me loom. This is all I could take with me. Woe betides anyone mounting the black. Ah, ils ont tous peur. Je peux rien voler. When my sister was at sea, I used to stay here and weave wool. On va trier, ce sera plus simple. Hop, et j'apprends la recette. Comment faire? Bonus augmenté de 1. Oh, intéressant ça. On va aller prendre la console ici. Alors, ici il y a 3 crânes. Si on affronte ceux-là. Niveau 5, 3 truands, 3 braconniers et 3 maraudeurs. Allons-y. On va voir si ça diminue le nombre d'ennemis qu'il y aura dans le camp qu'on a vu sur la gauche. Toi, t'es le premier à jouer. Le braconnier après. Ok.
Alors, ce qu'on va vouloir faire. Les archers sont là. Théodore. Ok. Les 300 là. Ok, on va commencer comme ça. Ok, ça c'est fait. Et un petit barrage ici. Ok, c'est pas un problème. Tu vas venir là. Paf. Voilà. On va le prendre au cac. Non, t'as pas voulu bouger. Eh mince. C'est pas grave. Hop, on va faire ça. On va se mettre comme ça. Là, on va se reprendre une flèche. Ok, c'est pas gênant ce que tu viens de me faire, bien au contraire. Tu meurs. Poison. On récupère un point. Ensuite, toi tu vas venir là et déviation. Très joli. On est pas mal ici. Maintenant. Ça. Ça c'était bien joué et tu vas venir ici. Tu vas peut-être venir par là. Oh, le one shot, magnifique. 79 dans les dents. Derrière, là t'as pris cher.
pas trop. Et la riposte est cinglante. Hector. Très joli Hector. Non, vous voulez vous enfuir. Hors de question, moi je vais vous achever. Ça, c'est pas ce que j'ai fait de plus réussi. Alors, c'est toi le premier à jouer. Pas. Est-ce qu'on peut venir jusque là? Oui. Oh, magnifique. Théodore, tu gères la fougère. Et le maraudeur qui tombe. Et c'est une victoire. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Une dague abîmée qu'on pourra vendre. Un peu de tissu, des rostres, statuettes, un peu d'argent. Armure lamellaire de hors la loi. On répare pour 4. On en est à combien là-dessus d'ailleurs? 29, va falloir foncer. On achetait de nouveau ou on fabriquait? Et là, ça n'a pas réduit. Hein. Je pensais. Ça n'a pas été le cas. Un repère des brigands, très bien. On va récupérer ça. Oh, ça c'est les trackers, non? Le camp des trackers. Ah, la track de la zone. Ça c'est plutôt cool. If this is your first time hunting the Ghost Pack, I suggest you make sure you are fully prepared. Il n'y a pas ce que je cherche. You wish to join the hunt? You're free to do so. But I must warn you, these monsters only appear under the cover of darkness. If you're still determined to partake in the hunt, I can give you this map. It shows you where the track. It will take all that you have to get through it. Ok, ça c'est fait. Le compte rendu indique qu'une attaque a eu lieu dans un champ près de l'abbaye de Saint-Éléor. Ok. Ah non, j'avais pas terminé ici. Even at the height of the war, the track. It is my honor to enhance the tracker's features when they chase after the ghost pack. To sport our war paints, you must first be initiated in our ways by a druid. At the Ok, donc ça faudra qu'on pense à le faire aussi à un moment donné. Se faire initier, mais on n'est pas dans la bonne zone. Il y a encore des choses à explorer. Oh, c'est quoi ça? Centre d'entraînement de la fraternité, d'accord, on connaît. Il y a le minaret qui est à côté là que je veux. Frère Loderbert, c'est tout. En général, il n'y a pas plus. Hein. Those guys over there are rubbish. Completely hopeless. Don't make the... On peut améliorer des. Those guys over there are rubbish. Completely hopeless. Don't make the... Des compétences. Wouldn't surprise me if Councillor Hart or Lord Vernalis ended up hiring us. Donc on va aller récupérer évidemment ça. Et après il sera temps de faire un petit repos. Oh. On va mettre un piton également. Ça fait longtemps, on va aller récupérer tout ce qu'il y a là. Alors ok, on veut se reposer. On va commencer par se reposer. Je crois que j'ai un peu de cuisine à faire.
Je rachète du sel. Très bien. Porridge. Oh, je peux en faire un. Je peux même en faire un seul. Bon, on va le cuisiner. 47. Première fabrication. On a gagné un point. Magnifique. Et les infusions. Allez, tu me les fais. Parfait. On en est où en termes d'expérience? 1195 sur 1280. La civière. Faire la civière de niveau 2. Non, je l'ai pas. Parce que je l'ai pas débloqué dans le compendium encore. On va encore attendre un peu avant de débloquer des choses dans le compendium. Explorateur et ramasseur. Donc un petit porridge. Ça fait déjà 14. On se repose. Mais en termes de nourriture, on commence à être un petit peu juste. Bon, on est toujours à 15 de bonheur, 1730 d'influence, c'est bien. On récupère des matériaux bruts, un peu de charbon, un peu de bois. Tilith. Encore un peu et je vais me faire un nom. Même la Légion voudra m'embaucher, une guerrière comme moi. Restez digne, montrez plus 100 points d'attribut ou célébrez. Une démonstration. Toujours plus de constitution. Et on va pouvoir repartir. Du coup, j'ai envie de mettre un piton ici. Yes. Et je veux qu'on descende là. Sérieusement? Voilà, grotte des naufrageurs. Alors là, des choses à récupérer. Yes. Des plantes. Un point de pêche magnifique. Parfait. On va se prendre juste le temps de venir explorer le bout là. Non, rien. Et bien la grotte des naufrageurs alors. Hein. Je n'y vois personne. De la bière. Du cidre, on prend. Ramasser. Bah oui, c'est Narev. Toujours. Parfait. Il me reste combien? Il me reste 3 crochets.
Yes. Ah mince, j'ai cassé. Ok. 23 d'XP, qu'est-ce qu'on gagne? Iris des neiges, balle de roost. Ouais, c'était pas fou, hein, franchement. Le tunnel s'enfonce dans les ténèbres. Requiert une torche. Allons-y. Les contrebandiers de Bellerion. C'est toi le premier à jouer, Dennis. D'accord. Comme ça. Ok. Du coup, Pyrrhus, tu commences là-dessus. Ça a pris cher. Tu peux revenir jusque là. Là, lui, il va vouloir bouger. Il meurt. Parfait. Il récupère un point au passage. Ici, on va faire la même. Qui est mort, mais c'est pas grave. Armand. Oh, très joli ça. Et là, ça prend cher. Ça prend même le tarif. Le prochain à jouer, ce sera qui? Ce sera toi. Donc on va vouloir s'en occuper. On arrive au cac. Ouf, les deux prennent. C'est très beau ça. Tu vas être trop court. Ouais, tant pis. On pourrait y aller comme ça. Allez, un petit point. Bordeaux. Je pensais que t'étais engagé au cac. C'est pas grave. Vous êtes trop loin. On encaisse, y a pas de souci. Le boulement qui touche personne. On va aller terminer le boulot ici. Pyrrhus. Là. Hop, tu gagnes un point. Et t'es ça, tu termines évidemment en tant que capitaine. Paf! Et c'est une victoire. On répare pour deux, ça va, c'est pas cher. On a gagné un peu de tissu. Arc de pillard, c'est pas terrible. On prend le minerai de fer. Oh, il y en a encore.
recueil de poésie, matériaux bruts. Ah, c'est qu'on est arrivé ailleurs. On prend tout, hein. Franchement, on prend tout. Allez, vas-y, Narev. Creuse. Ah, c'est très bien, on est en train de se refaire en minerai. On en avait besoin. D'accord, si on sortait, où est-ce que ça nous emmène ? Grotte insulaire, d'accord. Ça, c'est dommage. J'ai vu l'ours. Là, je vois le bâtiment également. Le phare d'Arthès. On va aller le fouiller. On se fera les ours. On dirait qu'il y a des choses à récupérer. Beaucoup de choses à récupérer. Du champ pour commencer. Des appâts, carpes, ok, très bien. Ah, foufou. L'arène des contrebandiers. Oh. Are you seriously expecting me to sell you? You dare come to our? Ah bah si, maintenant. Why settle for a shack when you can? A hideout like this is important. Bon, eh bien, on va commencer. You know. L'arène. This arena is usually only open to... But since you came all this way, it wouldn't be fair to turn you away. Sign up if you want. La récompense promise, muraille. Alors, on va prendre Antares. Et on va prendre nos deux tireurs, évidemment. Théodore. Pyrrhus. Ah, faut que j'en prenne un quatrième. Notre harponneur. Au début de chaque round, toutes les unités gagnent un bonus aléatoire pendant un round. Ok. Allons-y. Ne pas attaquer deux fois la même unité. D'accord. Venir ici. Toi, tu vas venir attaquer, évidemment. Mon tank, c'était sûr. Ok, là tu prends. C'est mort. Tant pis. Pas l'objectif.
Tu vas venir ici pour récupérer un point. Oh, ça je l'avais pas vu venir. C'est vicieux. Voilà, affaiblissement. Aïe, le saignement il fait mal. Au contact d'un allié, d'accord. L'exigence est un fait. Ici aussi, je vais quand même utiliser le point. C'est très bien. Ça, c'est pas cool. J'aurais dû faire mieux. Voilà, exigence. Ah, il prend cher. Il prend très cher. Théodore ne doit pas se déplacer. Ouais, ça c'est faisable. Toi par contre. Viens là que tu soignes. Ah, ça c'est très bien. Et c'est terminé. Ok, on s'en sort pas trop mal. Suite à votre victoire, le public vous adore. Choisissez une amélioration. Tant qu'un ennemi est engagé, il est fragilisé. Tous les ennemis débutent le combat avec vulnérabilité. La vulnérabilité. Un légionnaire a rejoint le groupe adverse à chaque fois qu'une exigence du public est échouée. Ok. Tu vas récupérer ton armure. Des points, des points et des points et on combat. Allons-y. Antares ne va pas se déplacer. D'accord. Aïe. Je veux que tu viennes là. Comme ça. Fait.
qui va venir ici. Et ben toi, tu vas pas te déplacer. Joli. Magnifique. Hors combat. Et il reste le dernier qui a déjà joué. Donc nouveau tour. Chaque compagnon doit se déplacer. Très honnêtement. On termine le combat assez facilement. On a satisfait le public, on a récupéré 3 dégâts des coups critiques améliorés dégâts. Critique augmentée de 15%. À chaque fois qu'un compagnon utilise un ou plusieurs points de bravoure, il gagne protection pendant un tour. Protection. Quand un bonus appliqué sur une unité adverse est retiré, elle se soigne de 10% de sa santé max. D'accord. Tu récupères ça. Tu récupères ta vie. Et les autres, ils récupèrent rien du tout. Des points. Troisième combat. Théodore ne doit pas se déplacer. Si tu veux. Et là tu meurs. On va faire ça. À côté de Théodore et tu récupères un point. Il reste donc toi. Affaiblissement et je gagne protection. Parfait. Toi tu vas bouger. Paf. Et repasse. Hors combat. On gagne encore un point. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Ça termine. Et enfin, Pyrrhus. Tu vas te déplacer et tu vas kill. Très joli combat. Alors, esprit de vengeance. Chaque fois qu'un compagnon subit une attaque, il gagne fureur. Chaque fois qu'un compagnon se désengage, il effectue une attaque d'opportunité. On va plutôt prendre fureur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, tu récupères ça. Là, tu récupères ça, évidemment. Tu récupères tes PV. Toi, tu récupères ça.
Et on passe au champion. Alors, règle spéciale. Rien de nouveau. Théodore ne doit pas subir de dégâts. Très bien. Alors, il va faire quoi? Duel. Inflige 12-15 et applique à la cible un malus aléatoire déjà appliqué sur cette unité. Puis gagne un bonus aléatoire déjà appliqué sur la cible. Ok. Donc évidemment, on va vouloir que tu fasses ça. Provoque. Posture défensive. Ok, tu gagnes fureur, c'est très bien. Ah, il fait rien. Protection, posture défensive. C'est quoi ton problème à toi? Dégâts subis réduits de 10% cumulables. Ou de 10 applications. Bascule en mode berserker, dégâts réduits de 50%, engagé, protection. Ouais, c'est un petit peu pénible ça. Je vais te mettre ici pour que tu gagnes brutalité. Fou. Alors, comment on va faire ça? Parce qu'ici on a du saignement, ce qui est pas bon, hein. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Ok. Posture défensive, d'accord, si tu veux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par ça. Et on va faire ça, choc affaiblissant. On a du mal là. Habilité. Non, ça m'intéresse pas. Ok, là t'as pris 7. Ah, tout ça parce que j'avais pas terminé ça. Dégoûté. Tous les ennemis doivent subir des dégâts. Oui. Alors ça on peut faire. Posture de berserker, qu'est-ce que ça donne ça? Dégâts subis et dégâts augmentés de 10%. Ah,
Ouch. Là on est mal quand même. Tu fais ça. Ok, là il a pris 33, c'est bien. Là, les deux y ont pris. On t'arrête, il prend tarif. Ok, bien joué. Ok, là il prend 17. C'est un petit peu mieux. Allez, premier soin. Tu regagnes 10 PV, tu saignes plus. Chaque compagnon doit se déplacer. Alors là, ça va pas le faire du tout. Donc on va essayer de faire le plus mal possible, le plus vite possible. Ok, là il commence à prendre très cher. Là, ça prend cher. Ok, tu peux encore encaisser. Très joli. Ah, parce qu'il s'est pas déplacé. Je suis nul. On va faire ça. Ok, au prochain tour, il est mort. Okay, on a repris du saignement, mais c'est pas grave. Un nouveau tour commence. Armand ne doit pas se déplacer. Il n'y aura pas besoin. If I'd known you were that good, I would have bet on you, mercenaries. Too bad. Et on obtient muraille. Take your reward. If you want another one, come back and face our best fighters. Ok, maintenant du coup le marchand. Don't be so coy. Now that you beat our champion, you're part of the family. Flasque de poison. Plan pensière. On va tout prendre. Hein. J'ai des choses à te vendre. Comme un vieux surin. Comme un gambison renforcé également. Comme ça, ça remplace. Starge de la Légion. Je te la vends également. De champion, Val de Roost, la dague abîmée, je te la vends, l'arc de pillard également, t'as joué. Ok, on récupère à peu près notre argent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? La muraille, niveau 5, garde 13, armure 18, heurtoir tactique. Inflige 30 à 40% de dégâts de force à la cible. Les dégâts sont augmentés de 15% pour chaque bonus et malice appliqué sur la cible et sur cette unité. Ok.
Alors, on va... Comme ça. Flaque de poison. Bombette corrosive. On a des points à prendre. Célèbre. Gladiateur. Et à témérité. Parfait. Niveau 6 débloqué. Alors, si l'on entretient correctement son armure, il est possible de l'améliorer bien au-delà des limites. Les armures forgées en emplacement de renfort d'armure supplémentaire. Et ici, forger des armes main gauche demande un composant de moins. Artisan défenseur, ça me semble mieux. Et on prendra récupérateur soigneux la prochaine fois. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Explorateur. Ok, on va sortir. You dare come to our arena? Et on va utiliser un crochet. Il me reste combien? 2. Ok, ça c'est bon. Ok. Je veux pas casser de crochet là. Mince, raté. Ok, là on est bon. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rapport militaire, connaissance plus un, très bien. Tonifiant à la moutarde à chaque fois que cette unité subit des dégâts en mêlée, alors qu'on voit des dégâts égaux à 5% de son armure maximum. Ouh, ça c'est bien. Et couteau de lancer empoisonné, sympathique aussi, on prend. Antares, ouais, t'avais déjà ça. Tilith, t'as 90. Puis là aussi. Le dernier, c'est Narev. Ah bah Narev va le prendre également. Hein. On perd un de volonté, c'est pas grave. Hector, t'as rien sur toi. Objet de sac à dos, tiens, on va prendre ça et un petit point de volonté. Ok, toi t'as rien, donc on pourrait te faire, t'as rien non plus. Ça serait peut-être pas mal de faire des fontes. Un point de connaissance, on est à 9, hein. Donc c'est plutôt pas mal, c'est même carrément bien. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Doigt de fée. Yes, un petit point. 252 soupçons. 5 combats en embuscade contre des humains. 5 personnes en prison. Ça s'est volé. 5 combats avec la garde. Une enchère des piques d'objets. Aïe aïe aïe, si on veut monter là-dessus, va falloir accomplir certains actes qui ne me plaisent guère. Mais on verra ça plus tard. On va avoir une inspection à faire ici. Là, on aura des... Oh, très sympa de trouver du pain. On va s'installer là pour la nuit. Pensière. 25% de chance de ne pas subir de blessures. Décrocher. Ouf, tu vas m'en fabriquer 10. Voilà, c'est parfait.
petit peu de nourriture et puis on va se reposer. Petite carpe. Anguille. Bar rôti avec plaisir. Là on est bien. On va se reposer. On commence quand même à être un peu juste. Hein. Il manque combien là? Il manque 8 points. Là on est bon et on va verser la solde. On se repose. Là on est parfait. On est prêt à repartir. Les ours ça m'intéresse. On va regarder vite fait où on en est en termes d'XP. 2227, ça se rapproche tout doucement. Il manque un petit peu plus ici. Bon, tu viens de prendre ton niveau. T'es très loin. Énormément de points quand même. On s'occupera des ours dans le prochain épisode et puis on remontera également par ici. Essayer de débloquer ça là, tout ça là. Et puis il faudra une nouvelle fois qu'on vienne ici, dans cette zone là. Cheval noir. On avait déjà fait. Anthropophagie. Hameau de Praino, c'est quoi ça? Est-ce que je l'ai? Anthropophagie. Trouver et tuer les pestiférés quelque part dans la région d'Arthès. D'accord, faudra qu'on remonte par ici. Bref, cette région d'Arthès qui nous réserve bien des surprises. On a encore moult de choses à y faire. Mais on verra ça dans le prochain épisode, celui-ci étant arrivé à son terme. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.